De nos jours, on parle beaucoup des micro-expressions, c'est-à-dire interpréter l'intérieur de la personne par l'extérieur. Alors, je ne dis pas que c'est forcément toujours faux, mais en tous les cas, ces micro-expressions sont possibles à obtenir par au moins deux procédés. Le procédé de la stimulation électrique du cerveau, par exemple, je vais vous relire une liste d'effets très très simples à obtenir dans le livre de José Delgado. Donc, par exemple, froncement des sourcils, ouverture et fermeture des yeux, ouverture, fermeture et torsion de la bouche. Hein, là aussi, c'est facile de l'interpréter comme une micro-expression. Mouvement de langue, mâchonnement, contraction de la face, mouvement des oreilles, c'est plutôt pour les animaux, mais voilà. Rotation, flexion et extension de la tête et du corps. Des mouvements de bras, des mouvements des jambes et des doigts. Donc, en jouant subtilement avec ces notions, il est vraiment possible d'obtenir des effets que vous pourriez mal interpréter. Donc, je pense que, par exemple, la tentation d'essayer d'expliquer l'intérieur par l'extérieur est grande, hein. Quand j'étais jeune, j'aimais bien voir les magazines qui parlaient de ces choses-là. J'avais l'impression que, voilà, ça donne, comment dire, ça peut susciter un intérêt. Mais il faut savoir qu'à la lumière de ce qui se passe actuellement, ce n'est pas fiable. Alors, il y a cette méthode qui est assez simple. Donc, je vous dis, c'est page 142 de l'édition française, hein. D'autre part, il y a une autre méthode qui est plus complexe, dont Robert Duncan parle dans ses vidéos et dans ses livres. Je vous propose d'en prendre connaissance, même si par la suite, parce qu'il explique très bien les choses, mais par la suite, j'essaierai de faire une vidéo en français pour parler de ces principes, en essayant, je dis bien, en essayant de les expliquer.